dialogue.com. Tayabana Nzambe, Nzamba Pambo Labino, vous qui avez eu l'occasion de me suivre durant cette petite vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndeko Nabino Aye. Lelo Naye, sous un message Papa Tindinga pour Nabino. Vraiment, comme on dit, c'est une grâce. Eh oui, bien-aimé, c'est une grâce. Lelo, nous allons parler du baiser de Jida. Le baiser de Jida. Ah oui. Eh oui, bien-aimé, le baiser de Jida. Avant au banda, tout sambela toujours, nous allons recommander cet instant entre les belles saintes mains de l'Éternel pour qu'il puisse mettre les paroles en moi. Prions notre Seigneur Jésus-Christ, Éternel de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom, tu es Dieu, tu resteras Dieu. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, nous nous laissons entre tes belles saintes mains pour être édifiés. Nous appelons le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans ta parole, que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Et nous nous laissons entre tes belles saintes mains pour être enseignés, Papa. Que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous parle pour l'édification de ton peuple. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Zala Motone Sengondenge Tolobaka. Ndekonabinoye, et aujourd'hui nous allons parler du baiser de Jida. Parce que le baiser de Jida, tout le monde sait que c'est la trahison. Oui, le baiser de Jida, ça symbolise la trahison. Mais le lot rumona nigne batami le soussou, nasima ya baiser de Jida. Parce que nous nous prêchons la parole révélée, bien-aimés dans le Seigneur. To prêchaka la parole révélée. Babi, la lettre est tue, mais l'écriture vivifie. Alors, bien aimé, ok, mbangu na premier verset na biso. Nous allons aller dans Matthieu pour expliquer un peu plus ou moins c'est quoi le baiser de Jida. Autant la lecture mobimbate, nous allons juste prendre un petit verset pour mettre le contexte en place. Donc, nous allons dans Matthieu 26, verset 48. Donc, vous pouvez lire tous les versets. C'est quand Jida a trahi Jésus-Christ. Jésus-Christ. On ne va pas tout lire, on va juste lire un petit verset. Donc, au verset 48. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui les livrait, leur avait donné ses signes. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-les. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tant que vous avez Jésus-Christ, Jida a dit, la personne à qui je vais faire un baiser, il faut les saisir. Alors aujourd'hui, on va savoir pourquoi est-ce que Jida, il avait fait le baiser. Pourquoi est-ce qu'il avait fait la bise à Jésus-Christ? Bien-aimé, biso tout oyebi que le baiser de Jida symbolise la trahison. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Ba serviteur et belé, bazaba serviteur de Jida. Bazaba kitania Jida. Car beaucoup ont trahi Jésus-Christ. Beaucoup ont trahi notre maître. Bien-aimé, na yope ntozo la nangai. Sokoza na ba choko. Sokoza na ba baba souki alokuta. Sokoza na ba sili alokuta. Ozo trahir Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le baiser de Jida, il y a deux points. Nous allons voir le côté trahison et le côté cupidité. Parce que Jida, quand il a trahi Jésus-Christ, c'était pour l'argent. Et bien tout au début que Jida, tout au long de l'histoire, dans l'évangile, quand on parle de Jida, on parle toujours de l'argent. Il est toujours derrière l'argent, la cupidité. Il y a un moment où serviteur et belé dans l'église bâtiment, tonni et belé, car on a un bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, trahir Jésus-Christ pour l'argent, trahir Jésus-Christ pour la gloire de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. C'est triste quand tu vois ça. De bandimi na bango, ba kendeli felo, kaka pona mbongo mokili oyo. Bandimi na bango, ba kendeli felo, kaka pona kindumba ya mokili oyo. Oh bien-aimé, c'est triste. Dala makambo zo leka na mokili. Ezala ya Mike Kalambai, ezala ya Moïse Mbie. Camarade na bango lisusu bien-aimé dans le Seigneur que vous appelez Michel Bakenda, azoke ne ko yembela bato mokili. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle trahison! Celui qui a chanté pour le Seigneur, Bola Mweleke Bele, et là, akomiko yembe la batwa mokili. C'est une trahison, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une trahison. Et il a le toupet de dire dans son site que, batwa na sotuba exposé, nzamba ko frappe bango. Quel mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Bo banga batwa bongote. Oh, ne touchez pas, mais ouais, ne jugez point. Non, ezalo kuta. La Bible nous dit,
exposer les œuvres ténébreuses. Bato tout bazo sala misala ya mabe, faut qu'on expose bango. Bien-aimé na betele bino makoko. Moi, je suis content parce que depuis 2020, le peuple de Dieu est en train de se réveiller. Dieu est en train de susciter une nouvelle génération, bien-aimée. Dites amen si tu fais partie de cette génération-là. Cette génération-là qui ne va plus laisser les ténèbres. Parce que cette génération est en train de remettre la vérité sur le terrain. Cette génération est en train d'exposer tous les faux serviteurs de Dieu. Et heureusement, vous avez une caméra. Heureusement, vous avez une vidéo. Vous avez une internet pour tout le monde. Vous avez une salle, bien-aimée. Dieu est en train de susciter une nouvelle génération, une race. La race des vainqueurs est en train de marcher là. Oh bien-aimé, la nouvelle génération, là où il y avait les mensonges, bien-aimé, vous allez ramener la vérité. Là où on a fermé les gens en esclavage, beaucoup libérer bango. Là où il y avait les ténèbres, toko mema lumière. Et toi et moi, nous faisons partie de cette génération là que Dieu est en train de susciter. Et moi, nous allons dénoncer avec la force, avec énergie, bah, œuvre, bah, trahison, y'a bah, faux serviteur de Dieu. Oh, bah, latim, pour ce, bah, n'empaté, pour bah, en tout cas, bah, lourd ravisseur. Bien aimé, ne vous fatiguez pas. Il faut dénoncer ces gens-là. Il faut les dénoncer pour te, oh, bah, ça, la simana bango, bah, banga. Voilà, bien aimé. Ne vous laissez pas intimider par des faux versets bibliques qui sont en train de tordre les versets bibliques. Oh, ne touchez pas à mes oins. Oh, ne jugez point qui est-il. Oh, Dieu va vous frapper le couta. Tant qu'ils sont dans la trahison, tant qu'ils ont trahi Jésus-Christ, Dieu va les frapper eux-mêmes. Parce que Dieu est occupé à les exposer. Ils ont l'apparence de la piété, mais au dedans, ce sont des tombeaux blanchis. Bien aimé, Bolamuka, il est temps de s'élever. Il est temps de s'élever. Batona ba nyokoli peuple de Dieu. Le kosombo motande ngaba komusala. Ona komungo bini la bato mokili. Dans sa ba millionnaire, dans sa ba millionnaire. C'est ça un serviteur de Dieu. C'est ça un serviteur de Dieu. Ona zo bête à moi sinae. Ona se s'excuser, azo ko kosali sous sou batoa. C'est ça un serviteur de Dieu. Bien-aimé, il est temps de s'élever. Bande de traîtres. Les descendants de Juda. Nous sommes là pour Nambongo. T'as là-bas concert Nambongo bien-aimé. Tous leurs conseils, c'est toujours payant. Ils ont des VIP, des entrées VIP, comme les païens. Tout ça à cause de l'argent. Mais bon, voyez bah, que Dieu est en train de susciter des gens qui vont vous chasser maintenant. Ma camouna, non, à Néo et aussi là. Tout le monde est bah, théâtre, hein. T'as un ba diaspora ba télémeli bango. Bon, t'as na politique. T'as un ba diaspora ba télémi. Il est temps maintenant, dans le domaine nyo surtout. Là où il y a les mensonges, ça doit plus régner. Les ténèbres ne doivent plus régner dans nos vies, bien-aimés. Il est temps de s'élever. La lumière doit jaillir partout où il y a les noirs. Voilà, bien-aimés. Toke na deuxième verset na biso. Baiser de Juda, ils ont trahison et puis la cupidité. Parce que Juda, il a trahi Jésus-Christ pour gagner de l'argent. Mais maintenant, tu as la elo konini, poni na pesa qui est baisé. Ou en déjà ma bombe ami, tu as bango lelo. Bien aimé dans le Seigneur, dans le temps, on a versé avant te fumola. Tu as na Esaïe. Allons à Esaïe. Bien aimé Esaïe. Esaïe 53. Esaïe 53. Ici, c'est la parole révélée, bien aimé. Ici, c'est la parole révélée. C'est pas ce que prêche ma faux serviteur de Dieu, Nabino Karlo Kosombongo. Verset nous se trouve à Mbongo, 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 les serviteurs de maman. Ici, c'est la parole révélée, bien-aimé. Quelle grâce! Donc, nous allons dans Esaïe 53. Je vais lire à partir du verset 2. Et après, je vais vous expliquer le pourquoi du baiser. J'ai le nom de Seigneur Jésus-Christ. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une pierre, d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Bien aimé dans le Seigneur. Là, on parle du Seigneur Jésus-Christ, Dieu sur la terre. À Kiti. Mais la Bible nous dit quoi? Malgré qu'il bon zambé naïe, malgré onction naïe, la Bible nous dit quoi? Il n'avait ni éclat, ni beauté pour nous plaire. C'est pour ça que tant que baiki ko kangaye pa ba pharisien, tant que baiki ko kolivrier, Juda il fallait assaler baiser pour ba reconnaître parmi baiki ko linaye bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que Jésus il était effacé, il était humble. Atala ki bo kondina été, asala ki loko la yonangai bien aimé dans le Seigneur. Il était comme ce baiki ko ses disciples, alors que ses disciples c'était des pécheurs. Parce que le bâtiment ba village,
Bien-aimé, regarde maintenant vos pasteurs. Ba pasteur Nabino, ba lataka ba swag, ba pasteur Nabino, ba lataka ba marque, omona bango ba Yoji, ba Versace, ba Vuitton et consorts, toutes les grandes marques, ba Church. Mais ils n'ont pas d'onction. Ils n'ont pas d'onction. Alors que Jésus-Christ, Dieu sur la terre, il était comme toi et moi. Mais pasteur Nabino, ce qui est pour dimanche, n'église Nabino, bon, mon gars, oh pasteur, oh mon dimi. Parce que différence. Car à mon mot, vous avez ça, il y a un zo lata, collé caillou. Bien aimé dans les seigneurs, bako ko sabino tim colonie. Bien aimé dans les seigneurs, orola la tim colonie. Il est temps, l'ignorance tue. Les peuples détruits par faute de connaissances. Il y a mon alobi, la nouvelle génération, année Oyo, génération Sika. Dieu est en train de susciter des hommes, des femmes qui vont délier la parole. Là où il y a parole, beaucoup délier en haut. Là où il avait caché la vérité, il a bémis sa vérité. Il est tant bien aimé. Fongo la misou. Souma bande konor. Parce que quand tu prêches la parole, tu as sauvé ma âme belé. Il est tant bien aimé. Réveille-toi, réveille-toi. Yaron Balobi, Jida, il a dû faire les baisers pour qu'on puisse reconnaître Jésus-Christ. Pour qu'on puisse reconnaître Jésus-Christ parmi ses disciples. Donc ça veut dire qu'il était effacé, il était humble, il était comme toi et moi, bien-aimé dans les seigneurs. N'est-ce que vous comprenez un message? Bouta la côté trahison, bouta la côté cupidité, mais bouta la côté apparence, il n'avait ni éclat ni beauté, il devait s'habiller simple, bien-aimé. Azaki ne kimi, azaki donc. Humble, humble d'esprit, c'est comme ça. Et toi et moi, nous devons avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ, notre maître et leader. Jamais, moi, je ne suis pas un païen, mais tel est un serviteur de Dieu, Mikolo. On dirait un musicien. On dirait un musicien, parce que la concurrence n'est pas un musicien. Il y a un musicien, il y a un compliqué. Il y a un choco, il y a Michel Bakenda. Osotia Choko, toi un serviteur de Dieu, soit disant un chantre, Osotia Choko. Et puis, Dieu va vous frapper. C'est toi que Dieu va frapper si tu ne te réponds pas. Toi et tes potes là, tu es dans un groupe, la Binonagara, Misatu, en un mois, Dieu vous a déjà exposé, Binon Misatu déjà. Et le reste, les Zoya, les Soussou, Singeza Moulaï. Bon, continuez. Si vous ne vous répondez pas, Dieu va continuer à vous exposer et Dieu va vous frapper. Au nom de Jésus-Christ. Il est temps que vous arrêtez avec vos sorcelleries. Il est temps que vous arrêtez avec votre cupidité. Il est temps que vous arrêtez avec votre esclavage. Il est temps que vous arrêtez avec votre idolâtrie. Bon, qu'aussi peuple de Dieu mingi. Heureusement, Dieu s'est gardé un reste qui n'a pas fléchi les genoux. Il a dit, je me suis gardé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et il y a une autre sélection par sa grâce. Et toi et moi, bien-aimés, Yom Tozo Landanga, nous faisons partie de cette sélection-là par sa grâce. On ne va jamais fléchir les genoux devant ces hommes-là. Non, autant le dernier verset pour tout lire ça. Donc, il y a 2 Corinthiens, bien-aimés, 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 13. 2 Corinthiens 11, verset 13. J'ai le nom de Seigneur Jésus-Christ. Yoga obalobi pour nabatu naba faux serviteur de Dieu là. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Bien-aimé dans les seigneurs, bazui apparence de la piété. De la lobagi, balatim pour soi-même. Nzoka nakati baza ba loura visser. Oromo na bango, alléluia. Namunoko na bango ka Jésus, Jésus, Jésus. Yambebo. Mais namutema, eza jida. Namutema, eza maman. Namutema, eza gege. Namutema, eza ki, kobo. Namutema, eza choko. Namutema, eza masanga. Namutema, eza kuitia. Diamba. Ils ont que l'apparence. Ils se déguisent en ange de lumière. Bah, hypocrites. Des hypocrites. Vous vous trompez le peuple de Dieu. Et c'est fini. Parce que Dieu, il a maintenant son armée, la race d'élus, la race des vainqueurs. Bah, là, la lissou sous Ponga, bah, bébé, t'es. Si vous, bah, tu vas t'élémi.
car Dieu est vivant. Tant que Dieu sera vivant, pour long abissoté, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se repentir et vous devez vous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, ne sois pas comme Jida. Jida, il a trahi Jésus-Christ à cause de l'argent. Jida, il a nié Jésus-Christ. Il a trahi parce qu'il ne veut pas prêcher la parole. Il va trafiquer la parole de Dieu pour gagner l'argent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été sous Christ. Chaque fois, ils ont été cédés. Chaque fois, ils ont payé ma concert à Bango. Bien-aimé, moi, avec ma famille, on produit les frères JF. Et ça, on fait les pour la Batoumion surtout. Tout le monde dit mon pasteur à Boulawayo. Et ça, on fait les. Mais je dis, tout le monde dit rétroviseur. Jésus-Christ, mon appui. Miyibi. Tout est gratuit. Tout est gratuit parce que on a reçu gratuitement. Banze mona ezo sunga batu. Mais bango comme ils sont des Jida, comme c'est la descendance des Jida, ils vendent des CD, ils vendent des DVD, ils vendent des livres, ils vendent de l'eau, ils vendent des pochettes, ils vendent des prières, ils vendent de l'adoration, ils vendent tout. Bah l'union surtout faut bateka. Bien-aimé, que ce message est interpellé au. Laisse-moi te dire une chose. Tu fais partie de cette génération que Dieu est occupé à susciter à travers le monde. Il faut au salamou il faut sauver ma âme parce que tu n'es pas venu pour rien sur terre. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Lève-toi et il est temps. Lève-toi. Que ces messages vous encouragent au nom puissant de Jésus-Christ. Tu rebang la bangote. Bangonde faut ba bang la biso na kombo. CongoDialogue.com